Salut à tous, aujourd'hui on va faire un test de ce type sur Xbox Series X. Alors on va montrer ça, c'est un jeu de snowboard. Snowboarder. Hop. Alors, graphiquement il est pas mal, je vous montre un peu les graphiques, c'est vraiment pas mal fait. Ouais, la petite neige, tout, personnage, tout. Assez sympa. Pas mal, parce que là on voit qu'on galère bien avec la neige. Le jeu est tout en français, je vous montre vite fait les options. Hop. Les options vite fait, comment elles sont faites. Putain, les paramètres de jeu, le mode vidéo, intro, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que là, je suis au tout début du jeu. Je sais pas du tout comment ça marche pour l'instant. Ça ressemble à SSX, pour ceux qui se rappellent. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de jeux comme ça. Alors, sélectionnez... Sélectionnez au menu. Maintenez le RP. Maintenez l'RB. Alors, il y a le sprint. On dirait qu'on peut sauter, je sais pas. Alors, maintenir. Ah, attends. Ouvrez le menu de sprint avec le RB. RB. Ok. Ah ouais, ok. Ah ouais, il va falloir choisir. On dirait pas mal de trucs. Rappelle pour l'instant, je peux juste faire le saut. Oula. Oui, je m'y attendais pas du tout. Que tu trouves un spot idéal pour réussir ton saut. Oh, c'est assez spécial à jouer. Oula. Oh, je m'attendais pas du tout à ça. Graphiquement ça va, il est pas mal. Et j'avais testé là, il y a un petit... enfin, il y a très longtemps, c'était la version bêta. Et atterrir sur la zone qu'on a repéré tout à l'heure. Tu passes sur une section en snowboard. Hop. Je veux voir à quelle vitesse tu passes d'une discipline à l'autre, parce que c'est un truc que tu vas devoir faire souvent. Ah ouais, ok. Ouais, graphiquement il est pas mal hein. Il était plus beau hein. Parce que j'avais fait la version bêta, c'était pas terrible, je me rappelle. Mais il galère à monter par contre. Ça c'est bien fait. Ouais, par contre je me suis raté. J'aurais dû me mettre là-bas. Ouais, graphiquement c'est assez beau. C'est bien parce que le mec il galère avec la neige. Bon c'est un peu chiant parce que là comme je suis loin. Les sensations avec la neige c'est vraiment bien fait. On dirait un peu comme les East Game version neige, pour ceux qui connaissent sport extrême. Alors. Allez, montre-nous ce que tu sais faire. Ah, déjà il faudrait que j'arrive à monter. Alors qu'est-ce que je dois faire? Comment ça marche leur truc? Maintenir un RB. Ouais. Je maintiens RB. Et alors? On dirait qu'on peut choisir chaque truc qu'on doit faire, mais là, ah, il y a un petit chalet là-bas. Alors il me dit de maintenir le RB, c'est ce que je fais. Il se passe rien du tout. Ah si, ça y est. Oh putain, alors leur truc, c'est pas évident. Comment ça? Avec leur système, j'aime pas trop leur système là qu'ils ont fait. C'est un petit peu dommage, ils ont fait ce système là. Ah, on va faire du snowboard. Alors, on va voir si c'est bien. Ah, déjà, c'est assez fun. C'est assez jouable. Non, je sais pas si on peut faire les figures. Hop. Ah ouais. Ça c'est fun. Ça va. C'est pas mal. Fait des vitesses. Ce qui m'étonne, c'est graphiquement, c'est comme il est beau quand même. Je m'attendais pas à ça parce que comme je vous avais dit, j'avais testé la version bêta, c'était une horreur. Après c'était une version bêta. Ça, c'est un peu plus jouable. Je m'attendais à pire quand même. Ah, les effets de soleil et tout. Alors là je me suis bloqué, je sais pas, je suis dans le coin là. Hop, j'arrive pas à monter. Hop, petit saut en l'air, tranquille. Par contre ils auraient pu mettre un petit tuto pour nous expliquer comment ça marche. Parce que je galère un petit peu. Ça se voit pas trop. Les décors ils sont pas mal, ça manque un peu de, je sais pas, fluidité. Chaque côté. Ah, effet de vitesse par contre c'est bien fait là. Avec le vent. Et un gros travail c'est tout ce qui est avec le vent, tout, les effets avec le soleil. Le graphique c'est... Ça donne pas mal. Alors peut-être que le fait que je suis sur une Xbox Series X, c'est peut-être ça qui donne l'impression que c'est bien, je sais pas. Moi je l'avais testé sur la Xbox One, c'était pas super. Excellente fluidité. Ok, complètement ardé. Bon, on retourne au camp de base.
Consulte ta carte. Il est près du pic de la tête du Danais. Tu devrais trouver facilement. Ok, alors ça se trouve là. Bienvenue au c'est pas mal fait ça. Si j'ai choisi cet endroit, c'est parce que c'est un point central des Aravis. Observe les environs, tu comprendras. Bon, j'ai repéré un endroit sympa tout à l'heure, pas très loin d'ici. Je te propose d'y aller. Hop, c'est pas mal fait là, la sensation de vitesse. Oh putain. Ce qui est bien, c'est qu'on fait du hors-piste. C'est là qui aime bien ça. Oh putain, je me suis raté là, la gamelle. Bon, je l'ai fait un peu exprès. Montrer. Les effets avec la neige, c'est vraiment sympa. Par contre, leur tuto, ils auraient pu expliquer un peu plus. Hop. Si vous aimez bien le snowboard, je pense qu'il va être fait pour vous, ce jeu. Il y a plein d'endroits comme ça par ici. Appuyez sur les grecs. Il faut réussir à trouver le meilleur point de départ pour les sorties jumelles pour avoir un meilleur aperçu de la drop zone qui se trouve là-bas. Elles sont idéales pour repérer de nouvelles pistes des drop zones. Alors, utilise-les quand tu es en exploration. Les jumelles. Alors, comment on fait pour faire ok, c'est où les jumelles? Ah, d'accord, ça y est. Bien joué. Quand tu découvres des drop zones, t'accèdes à de nouveaux défis, alors ouvre l'œil en permanence. Ah d'accord. Les riders ont signalé la présence d'un snowpark pas loin. Qu'est-ce que tu dirais de réviser un peu tes tricks, hein? T'es quoi? Allez, parti. C'est quoi des tricks? Est-ce que je peux y aller? Alors, je regarde. Ah ouais, on peut y aller par le dessus. Alors, on va y aller voir. Il m'a dit d'y aller comme ça. Je pense. J-Jump. Alors je connais pas tout l'univers du snowboard. Alors les gars, il y a pas mal de trucs, niveau tout. Alors là il nous explique avec le bouton 1. Ah là il s'explique par contre. Ah et là il y a un petit tuto. Ok, ça c'est pour les sauts. Ouais, donc on est dans le bleu. Les rotations. Alors les rotations, dès qu'on arrive, on appuie, ouais, on relâche. Il y avait le stick, on fait des. Ouais, déjà de 360. Ok, ah ouais, des rotations, ok. Ouais, je comprends. Ok, j'ai compris. Allez, hop, on va le passer. Même s'il y a un fallu que ça prenne. Allez, le but c'est de vous montrer du gameplay, les gars. On va essayer de s'entraîner. On va essayer d'en faire un, déjà. Il était bon celui-là. Alors, si on se retient comme ça, ça fait quoi là? Ouh, il est beau celui-là. Oh putain, un méga truc de ouf là. Et à l'avant, ça fait quoi? Ça fait rien. Oh, yeah. Excellent. Allez, bien fait, non? Pour être honnête, j'avais préparé cet échauffement pour montrer à l'équipe Red Bull de quoi t'es capable. Ils organisent un événement. Ah ouais, les sponsors. Ultra Natural, ça s'appelle. Ils ont adoré ta prestation et ils veulent que tu participes. Alors en route. Ce serait quand même voilà. Dommage. Ah, le truc qui est chouette, c'est qu'on peut aller où on veut. Si on veut pas faire la mission de suite, on peut s'éclater en faisant à l'endroit où c'est qu'on veut aller, peinard, pour s'entraîner. Ah ça c'est pas mal par contre, ça j'aime bien. On n'est pas obligé de faire la mission directe. Allez, on va aller voir ça, la montagne. Alors il m'a dit d'aller par là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ouais, passer la cinématique. En ce moment, tourne à plein régime. Allez hop, on va passer la cinématique. Le temps il change, ça c'est bien aussi. Changement de temps. Oula. J'ai bouffé un arbre, ça compte combien ça? Alors là, je pense qu'il faut faire un truc spécial. Qu'est-ce qui a contrôle? Hop. Il faut que j'aille en bas là, non? On va y aller à fond. Hein. L'effet de vitesse avec le vent, c'est trop bien fait. Ouais, j'aimais bien l'arbre aussi. Je crois que je vais être abonné aux arbres, les gars. Je suis éclaté. Bien fait le truc là. La neige sur, sur les fringues. Alors, on va essayer d'avancer.
file bien tenu là. Un petit saut tranquille. Alors, je connais pas les figures les gars. Les noms des figures, je pourrais pas vous dire. On va voir si c'est bon. Qu'est-ce qu'il me dit? Médaille d'argent quand même. Ah pas mal. Magnifique. Cool. Tu te souviens que je t'ai demandé de faire un show inoubliable? Oh. Eh bien c'est pile ce que t'as fait. Le public n'en croyait pas ses yeux. Bon. Il faut que j'aille là-bas, à la zone. Eh ben j'aimerais beaucoup que tu le rejoignes rapidement. Ce que je suis en train de faire. Pourquoi je me suis éclaté le dos là. Hop, par contre s'il y a un mode multi, je sais pas s'il y a un mode multi mais ça va être sympa. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, on est en train de... Okay, bienvenue dans les Alpes, le Mont Blanc. Superbe environnement européen sur lequel règne le Mont Blanc. Ouais, il faut la petite tu vas devoir t'améliorer pour dompter un à un les différents géants. On va passer une cinématique, comment ça va durer 10 ans. Mais il y a l'air d'avoir pas mal de trucs à faire. Après, il faut que ça reste fun. Faut pas que ça devienne trop répétitif. J'espère que pour... qu'est-ce que je pourrais faire? Il y a pas mal de trucs par contre. De trucs à faire. Ah, j'ai un succès alors que j'ai rien fait. Tu es pris maintenant, ok. Hop, petit saut en parachute, je sais pas. Ah, altitude, c'est un pas. Ah, le parapente. On va faire du parapente, les gars. Oui, j'ai même pas appris comment il faut l'enfermer, mais c'est pas grave. Comment ça marche? Ça peut durer longtemps, le parapente. Allez, je vais revoir là, comment ça marche parce que j'ai pas compris leur truc là de parapente. Alors peut-être avec le vent. Non. Maintenir. Préparer l'atterrissage. Maintenir. Sprinter. Ouais. Ok. Ce qui est bien c'est qu'on peut revenir de suite. Et je vais réussir une dernière fois les gars parce que c'est une horreur. Le parapente. Ah ça y est, j'ai réussi, j'ai monté, je suis monté les gars. Oulala, mais c'est super dur leur truc. Quoi avec le vent? Quoi c'est galère leur truc. Je sais même pas si je suis du bon côté. C'est bien fait mais c'est super dur quand même. Oh putain. Oh, putain, je sais pas où je vais avec le vent. Allez, on part là-bas, je me balance partout. Qu'est-ce que ça fait si je lâche? Alors si je serre, je vais descendre. Si je relâche, je remonte. En principe avec le vent. Ah ouais, il faut prendre avec le vent. Quoi c'est galère? Ouh, on va faire un saut en arrière. Oui c'est vautré. Hein, j'ai bloqué un autre truc on dirait. C'est quoi ça? Ah ouais le saut en... Ah, ok. Ce qui est bien c'est qu'on peut se balader partout. C'est bien fait le soleil. Putain graphiquement il est vraiment beau. Alors moi je voudrais faire du... Tiens je vais faire de ça là. Comment ça marche ce truc? Il est pas le vrai. Ok. Comment on fait pour en faire? Alors je voulais en faire mais je sais pas comment on fait les gars. Sprinter. Ok, on entend plein de bruit, je sais pas ce que c'est là, les oiseaux, je sais pas quoi là. Jumelle, ok, changer de spot, l'heure. Replay, hein, pour voir un petit replay. Ok, ça c'est pas mal. Quoi le changement de temps? Ça, c'est assez impressionnant quand même. Du ski thème, tiens on a pas fait ski. On va faire du ski. Yes, on va faire du ski, allez hop. Hop, on va faire les bronzés. Les bronzés au ski. La mec qui se la pète, en arrière, tranquille. C'est pas mal fait ça par contre, putain, elle fait du ski. Je vais essayer d'en faire déjà. Alors, j'ai pas bien compris leur truc. C'est bizarre, il se met à l'envers. Hop.
c'est bizarre leur truc. Ah ça y est, peut-être choper le coup. Ah ouais, c'est avec les deux sticks chaque côté, mais il faut vraiment choper le coup les gars. C'est super dur. C'est bien, mais c'est très dur. Ouf te pelle. Oh je me suis vautré comme une crêpe. Ah c'est vraiment trop bon. Hop, c'est vraiment bien hein. C'est bon parce qu'on peut faire ce qu'on veut comme sport. C'est vraiment sympa. Hop, petite photo. Oh, je me suis vautré là. Par contre, comment on fait pour s'arrêter les gars? Je suis descendu complètement là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je voudrais faire du... non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais faire un autre truc. Snowboard, non. Putain, j'arrive pas à mettre leur truc là. Par contre, ça, c'est pas évident à mettre leur... Alors, hop. Ouais, c'est ça. C'est ça que je voulais essayer. Ah non, c'était pas celui-là. Bon, c'est pas grave. Moi je vous le conseille, si vous aimez les sports extrêmes comme ça, c'est un bon petit jeu, sympa. Après c'est dur, la prise en main est très dure par contre. Oh putain. Ouais, ouais, ouais c'est très très dur, putain. Je me suis vautré les gars. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Il y a une course à faire, je sais pas ce que c'est là. Merde, j'arrive même pas à m'y mettre. Ça y est. Oh, la surprise. Et des tas fraîches, rien que pour moi. Allez, c'est parti. Je sais pas s'il y a une course à faire, je sais pas ce que c'est. Oula, oula, oulala. Ça passe. Non, ça passe pas. Alors, le chemin, il est vers où? Non, il est allé par là. Ah, il me dit d'aller par là. Putain, je me suis vautré. Pas le bon coin. Ah ouais, c'est une course contre les mecs. On va c'est tout, hein, ça merde pas. Hein. À mon avis, j'avais passé de l'autre côté. Ouais. J'suis pas du bon côté. C'est vraiment dur hein, quand même. Va falloir un temps d'adaptation pour s'entraîner à tous les sports extrêmes qu'il y a dans ce putain de jeu. Ouh putain. Ça va tellement vite. Ouh là là, ce qu'il faut pas faire. La vitesse. J'ai complètement coupé moi. J'essaie de revenir dans le chemin. Ce qui est bien par contre, c'est qu'on peut aller où on veut. Ça c'est vraiment sympa. On n'est pas bloqué à un seul endroit. Si on veut quitter, on peut quitter quand on veut. Graphiquement, il est sympa. Jouabilité, il est bien, mais il est dur. Moi, je vous le conseille. Si vous aimez ça, il va être fait pour vous celui-là. Allez, on va finir en beauté, on va descendre jusqu'en bas. Hop. Allez, fil vitesse, c'est pas mal fait. Allez, on y va. C'est parti pour le grand saut. Oh putain. Oh dommage. Oh putain, je me suis vautré. Allez, relève-toi. Ce qui est bien, c'est que le jeu est tout en français. Hop, j'ai réussi, les gars. Voilà, c'était pour vous le montrer. Pensez à me laisser un petit like sur ce coup. Moi, je vous dis à plus. Ciao.